victoire à la dernière minute aussi, ça fait du bien de voir que la roue elle tourne un peu en votre faveur de temps en temps. On va pas se cacher, ça fait énormément de bien parce que je pense que si on fait un partout, je vais pas dire on pleure tous, mais on rentre chez nous la tête dans les godasses parce que on a été performant, hormis cet oubli où ils mettent un but magnifique. On a eu des occasions, des situations, on a fait plein de belles choses, mais il fallait concrétiser ça, donc ça arrive tardivement. Je pense qu'on a tous failli faire un arrêt cardiaque, mais c'est fait, et c'est 3 points. Et voilà, il ne faut pas oublier le match aller où il y a un penalty un petit peu donné, et on perd 1-0 là-dessus, et là on gagne 2-1 à la fin, donc on va dire que ça s'équilibre dans le temps, c'est pas plus mal pour nous. C'est le décompte qui peut changer votre saison avec ces 3 points de plus. Bien sûr, parce qu'on fait une bascule, on passe à 31 points, on est très proche du maintien. Et avant Paris, c'était très important de gagner, et surtout c'était important de confirmer notre état de forme, parce qu'on est performant depuis le début de janvier, et il faut continuer ainsi. Voilà. Il y a un ensemble de derby aussi, et puis oui, bien sûr, utiliser un public avec des victoires à dernière seconde. Je pense que vous l'avez vu comme nous, il y a eu, c'était un match hyper engagé en termes de duel, et voilà, on a tous répondu présent, et ce soir on repart avec 3 points, donc on est satisfait. Voilà. La chance fait partie du jeu, Benjamin, parce qu'il en a fallu. Oui, il en a fallu, et moi aussi j'ai eu de la chance avec le poteau. On a de la chance de marquer ce but à la toute fin de rencontre, mais voilà, on a perdu des points comme à Amiens chez nous, où on se fait égaliser pareil à la fin. Des fois c'est pour nous, des fois c'est contre nous. Ce soir c'est pour nous, donc on va se satisfaire de ça. Voilà.